Mounan, bienvenue sur Palmis ak Mapou Lakay. Nous avons une vidéo sur ensemble de nouvelles lois qui fait entrer pour année dans l'année 2022. Et je dis à nous que c'était important, gagnons une loi qui a un rapport là avec taxe qui est entrée en application pour l'année 2022. Pour comprendre bien ça, nous là. Avait dit loi ça, libre pour l'affecter taxe ou pas le fil. Maybe pour, en fait, peut-être pour fin janvier. Alors, parce que nous tous connaissons, lorsque fin janvier ou début février, nous avons fait la taxe, nous n'avons pas fait pour 2022, nous n'avons pas fait pour 2021. OK? Donc, loi ça que nous allons parler là, l'entrée en application pour l'année 2022. Là. Vous supposez au courant de lui, il est important, ou au courant de lui-même, et puisque il va l'affecter taxe. Qui ça dit? Mais c'est un nouvel règlement taxe qui va affecter plus fort monde. Dans business, ou pas besoin d'un gros business, ou de un taxi driver, et puis charger mon tout, et qui met business sous taxe, nous connaissons là, ça ou pas même connaît même, par cause de business là. Ok? Donc, là, on va recevoir, quoi, vous avez bien, et bon, on prend ça puisqu'on est en zèle. Ok? So, ou même qui sont small business, et on va recevoir Zell. Bon, personnellement, je vais recevoir Zell. Nous tous recevoir Zell. Eh bien, ensemble de transactions qu'on peut faire. Nous prenons exemple Zell. Mais il doit CashApp tout. Il est capable de PayPal. Venmo, bien que moi, je ne vais tellement utiliser Venmo. Donc, ça m'a essayé de dire là, tout digital paiement, ça. Eh bien, on met à temps, nous parlons des informations supplémentaires. By the way, et ni recevez email, ni PayPal, ni Venmo, ni Zell, ou bien d'autres informations que vous pouvez demander, nous avons dit ça. Ça quoi le passé, c'est que institution ça, digital payment service ça, yo pral gagner pour vous voyer by IRS rapport de cob qu'on recevoir. Et ça veut nous dire genre problématique, n'a gain qu'on est qui gens yo pral adresser parce que bon, imaginez ou gen, en date ou gen, ces ans, capé de voyer comme vous. Depuis le dépasse $600. Vous obligez voyer forme ça, créer les 1099 KO. Donc là, les gens gens problématiques, comme son loi qui fait paraître, nous parlons qu'on est. Qui gens, vous faire différence ça. Parce que, comme vous doit rentrer sous forme de PayPal, soit 40 mois, li pas nécessairement vle di, c'est cause business. C'est gen doit son monde qui doit. Et nous avons compte ça. Pour plusieurs raisons, comme entrer sur PayPal, sur Zelle, et nous avons un sol, c'est au papa sol là, et puis il y a peu de voyer Zelle. Ok? Et. Parce que je dis, depuis paiement, ça, au fait, si c'est pour bien ou bien service, vous vendez par customers. Ok? Donc, je dis, il faut que vous rapportez, mais qu'on est là. Pas de balise pour connaître qui les paiements ça en fonction de qui ça mais ça veut dire pour l'important qu'on est là en fait ça c'est analyse n'a faire nous même si par exemple pour raison pour l'autre sans ans mi cap pour encore dans Zelle pour mettre une petite note pour le dire mais pour qui ça pour que li pas entre dans cadre que c'est un bien ou bien un service qu'on va vendre. Parce que yo dit, groupe ça, on m'a cité pour nous là, PayPal, Venmo, Zelle, CashApp et d'autres encore. Ça veut dire n'importe ça, nous les third party qui bail service ça, qui permet de payer avec crédit card ou BD card par l'intermédiaire de banque. Quand tout, depuis, yo te recevoir plus que $600 au total au cours d'année. Et mes paiements ça, yo supposé rapporter l'IRS. On clé sous cause ça. Il dit que on t'a supposé rapporter en fait et comme ça comme income. OK? Et mais là encore on t'a dit même monde qui n'a business pour tout bon ou tel gain qui compte tellement recevoir de la part de customer. Yo pas même qu'à figurer combien non en fait moun ka recevoir sous Zelle et autres qui dans business. OK? qui pas un bookkeeping complet. Okay? Mais on dit IRS, ça pas arriver find out si et, en fait, tu t'as fait comprendre que IRS a bien, c'est pour faire contrôle, nous pas besoin de payer. C'est comme quoi on t'a dit nous pas besoin de payer. Mais comprenez bien l'idée. Ça a besoin de faire là. Il y a besoin de contrôle. Vous avez pas comprenez bien. Ou bien doit peut-être dit que ou dans business c'est des fils offerts ou bien son petit bout de monnaie ont $2,000 income et puis gros transaction les calculer en pile a passer sous zéro. Par contre vous comprenez non? Les regarde des valeurs comme qui entre on a dit yo ouais n'importe $70,000 exemple. Il gagne $20,000 tout à rentrer sous zéro et puis income on passe en là quand gagne ça ou les on discrepancy. Gon discrepancy. OK? So donc ça t'avait dit et toute institution ça et gain d'autant qu'on ka cité. Et yo même y a gain pour rapporter depuis le débat $600 IRS. Et maintenant on remarque qu'on est là ça pas de compte fait. Moi, j'utilise celle souvent, mais on prend dans la grande côté, on met un message, si vous mettez un petit message. Ça vous comprendre, il est le temps, si vous faites zéro pour 2022, vous dites à 4. Si son comme solo, vous voyez, mon nom, mettez un petit message, vous comprenez, paying, whatever, whatever, mettez un bail quelconque. Bon, plutôt mettez son don. Ok, whatever, ou bien, et, yeah. Mettez un bagage qui pas bien rapport, comme quoi c'est pour bien en service. Ou bien doit mettre donation. OK. Ou bien doit mettre donation. Mettons bas à quelqu'un. On note. Et donc j'en dis là et attendons nous même qu'à utiliser service ça yo. Yo va demander nous et beaucoup plus de questions. C'est comme ça pour nous comprendre. Et mais qu'on note bas encore compagnie qui reçoit qui donc, il y a des compagnies qui peuvent recevoir à la fois 10 nani à 10 nani naï. Ça nous les miscellaneous là et après recevoir 10 nani naï kia. Parce que c'est des compagnies, comprenez bien. Et si vous sont indépendants contracteurs ou travaillent pour une compagnie, vous pouvez recevoir plus que $600 paiement. Comment nous sommes indépendants contracteurs, ça veut dire compagnie par le fait que son contracteur la bon 10 nani naï miscellaneous. Mais en même temps, tout, vous avez gagné, puisque vous payez via Zell, vous avez gagné en termes. OK? So là, dans le cas, ça a dit, bon, on a choisi une là-dedans, parce que vous avez fort doubler revenu. OK? Maintenant, en pile, mon a dit, pour qui ça tout bagage ça? Reste à faire connaître, c'est donner la collecte, c'est donner le besoin collecté pour le faire examen, pas de trop de détails. OK? Et donc, mais la réalité, ça vous comprendre, c'est que ça a servi une base de référence pour eux-mêmes, pour être capable de faire des analyses et faire des hypothèses. Et si on a menti ou bien si on a vérité, ok, dans ça que vous avez reporté sous un commun. Donc, tenez bien, nous clair sous ça. Ça n'a pas parlé là, il n'y a pas de rapport avec taxe qu'on va refaire là. Ok, donc, ça pourrait être en synthèse de ça non dit ou là ou même cap pour un CashApp ba on bon pour commencer dire on ça tout game qu'on veut CashApp ba mais ton petit note donc CashApp là comprendre pour yo pas faire référence avec comme quoi c'est un billet ou bien un service que on vendre on comprendre so on doit mettre m'pa connait en point qu'on remettre c'est encore bouté prêté qu'on remettre li ou ka mettre donation mettre plusieurs autres bagages mais li important journée aujourd'hui et moun k'ap voye kob pour pa CashApp et autres pour songer mettez un message pour que li pas semblé qu'ils sont bien pour pas sembler comme quoi son bagage acheté dans monde. OK, donc voilà et moi pensais pour moi te partager information ça avec nous c'était un véritable plaisir pas oublier toujours être connecté avec nos élèves.